Voici enfin la finale de la Coupe internationale. Quelle équipe va être couronnée championne du monde? Les joueurs entrent sur le terrain dans une ambiance indescriptible. Ça va être chaud, toute la ville attend ce match. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. Et le coup d'envoi de cette finale est donné. Les deux équipes risquent d'être un peu prudentes à l'entame. C'est une finale quand même. Jérôme Boateng. Et la porte s'est refermée. Le ballon sort en touche. Mario Götze. Jérôme Boateng. Mario Götze. Schweinsteiger. Mats Hummels. Mesut Özil. Il reste beaucoup de temps, mais toujours pas le moindre tir. Dans la profondeur, la passe est précise pour trouver la faille dans la défense. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main, bien joué. C'est joué long. Le voilà servi. Il file dans l'axe. Il récupère le ballon. Mario Götze. Toni Kroos. Mario Götze. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Joué long vers le poteau de corner. Mario Götze, il a de l'espace. Long ballon dans le sens du jeu. Le danger est repoussé. Allez, ça peut faire mal. Est dangereux. Le but. Et ça va au fond des filets. Et si c'était tout simplement le but qui les menait à la gloire? Oh, c'était une énorme frappe. Quelle puissance, c'est merveilleux. Allez l'arrêter celle-là, tiens. Et il marque les premiers. Oh, qu'il est important ce but.
C'est toujours mieux d'ouvrir les scores, évidemment, mais dans une finale, c'est encore plus important. Jérôme Boateng. Mario Götze. Schweinsteiger. Müller, il joue dans l'espace. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Encore 5 minutes avant la pause. Ça joue bien côté gauche, il faut insister. Ça bouge côté gauche. Il peut frapper. C'est la mi-temps dans cette finale. Que s'est passé vite jusqu'ici? C'est la pause, le temps peut-être d'un premier bilan. Votre analyse? C'est sûr qu'il vaut mieux mener au score qu'être mené, mais il faut qu'il revienne sur le terrain avec cette même mentalité et l'envie de tuer le match. Un seul petit but d'écart entre les deux. Allez, c'est parti. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Qui est le premier sur ce ballon? Ça sprint côté gauche. Le gardien s'en saisit, tranquille. Müller. Ça manque de précision, dommage. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Il file sur l'aile gauche. Mario Götze. Mesut Özil. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Il tente de la jouer dans l'espace. Schweinsteiger. Oh, il a bien vu son coéquipier. Quel but! Et c'est le but! Tout est magnifique dans ce but. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. C'est bien ce qu'il fait là. Centre en retrait, la tête! C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. Jérôme Boateng, la passe dans la profondeur. Quelle fait du bien cette interception. Müller, c'est joué long, attention. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Une occasion. Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur propre but? Oh là là, mais c'est vraiment le but gag par excellence. Il va avoir du mal à s'en remettre. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Oui, il était fini, crevé, cabot comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Ils ont marqué un sacré coup de pouce du destin, mais bon, c'est le jeu.
Ils se dirigent tout droit vers cette courte victoire. Ils sont à quelques instants de la consécration. Dans quelques instants, ils pourraient fêter un succès historique. Il frappe loin devant. Oh, il avait tout compris, quelle parade! Essayez de s'appliquer sur ces corners. Il joue court. Et bonne intervention de la défense. Et la puissance y était, mais pas la précision. C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. Allez, plus que quelques instants à tenir. Et l'arbitre siffle la fin du match. Oh, le rêve qui se réalise! Ils sont champions du monde! Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe!